Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique pour mettre à profit le temps qui peut vous être disponible après le travail pour vos petites sessions rapides. Donc là, on est vraiment sur une pêche de quelques heures avec le minimum de matériel. Donc là, vous allez voir qu'avec une seule canne, on va réussir à effectuer toutes les étapes nécessaires à la mise en œuvre du repérage, de l'amorçage et de la pêche en elle-même. Donc là, moi, j'utilise l'une de mes cannes à pêche standard et sur le fil j'ai créé une boucle assez importante. C'est important de la faire assez grosse pour qu'on puisse manœuvrer correctement le changement des différents éléments. Donc dans le premier temps, ce que je fais, c'est que j'y attache un plomb et on va pouvoir ainsi passer à la première étape dite de repérage. Donc là, on fait simplement un passage boucle dans boucle. Et on se retrouve avec notre plomb attaché à notre fil, ce qui va nous permettre d'effectuer quelques lancers pour avoir une idée un petit peu plus précise de la nature du fond et surtout de prendre la distance à laquelle on veut pêcher. Donc là, moi, je suis sur une pointe avec des bordures d'île à ma disposition. Il y en a une qui me plaît particulièrement. Ce que je vais faire, c'est que je vais... avec quelques lancers, le moins possible, essayer de trouver un endroit avec un fond relativement dur sur lequel je vais pouvoir commencer ma pêche. Donc là, le but de la manœuvre, c'est d'essayer d'atterrir plus ou moins à l'endroit choisi, de retenir le plomb pour qu'il me permette de sentir un impact. Voilà, là j'ai bien senti, ce qui m'indique plutôt un fond dur. En traînant légèrement, je m'aperçois que je croche pas réellement dans quoi que ce soit. Ça m'a l'air propre. Alors là, on est sur un nylon, une utilisation de nylon. Donc on connaît tous l'élasticité du nylon. Évidemment, le truc intéressant, c'est que on est sur des petites distances, donc on n'a pas trop d'élasticité. Donc là, effectivement, là, je suis sur un secteur assez propre qui va me permettre de pêcher pour les quelques minutes que j'ai à y passer. Je vais faire un dernier lancer qui normalement va me permettre de clipper ma distance. Voilà, parfait. Et je sens encore à nouveau cet impact. Donc je pense que je suis plutôt pas mal. Donc là, à partir de cet instant-là, quand je suis content de l'endroit où mon plomb tombe, je vais passer le fil dans le line clip du moulinet, ce qui va me permettre de retomber exactement au même endroit à chaque fois. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est commencer à amorcer mon coup, simplement en enlevant mon plomb de la boucle. Et en le remplaçant par un spod. Alors, on est sur des cannes avec une action de pêche. C'est pas des cannes qui sont faites pour spoder normalement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le plus petit de la gamme des spods. Mini Skyliner. Donc qui a vraiment une petite contenance. Et qui va très bien se marier avec mes cannes en fait. Donc même système, je passe dans la boucle et là on comprend mieux pourquoi j'ai voulu en faire une boucle plus importante, parce que là le spod est un petit peu plus conséquent en taille, donc il faut une boucle de plus grande capacité pour le faire passer. Donc là, j'ai préparé un peu de spod mix en avance dans la deuxième partie de mon seau et je vais simplement remplir mon petit spod aux trois quarts, pas trop. Hein. Et là, je vais pouvoir commencer simplement me replacer exactement à l'endroit où j'ai commencé à prendre mes mesures. Et en utilisant le line clip, je vais pouvoir amorcer l'endroit que je cherche depuis tout à l'heure. Alors, l'utilisation du line clip nécessite de mettre la canne en opposition lors du lancer.
Si on ne fait pas ça, si on laisse la, si on laisse la ligne, la canne droite, il est possible qu'on obtienne une casse, tout simplement. Donc là, c'est relativement simple. On effectue un lancer normal sur l'objectif et tout de suite, on met en opposition. Et là, vous voyez, j'ai eu le contact avec la canne. Le spot s'est posé exactement au bon endroit. Je lui laisse une petite seconde pour se vider. Et après, avec un grand coup, bon, moi, je ramène de manière classique, comme tous les spots. L'intérêt, c'est qu'un spot de cette taille-là, vraiment, ne se sent pas sur l'action de la canne. On est vraiment sur des petites tailles. Le fait qu'on rencontre le line clip amortit considérablement la chute du spot dans l'eau. Et on n'obtient pas un véritable gros plouf, mais plutôt un impact assez adouci. Et voilà, donc une fois que le spotting est terminé, bah, il nous reste simplement, hein, selon la même logique, à retirer le spot de la boucle pour le remplacer par la ligne qui va me permettre de pêcher. Donc là, pour faire vraiment simple, j'utilise l'un des leads corps prêts à l'emploi fabriqués par et commercialisés par Corda. Toujours pareil, boucle dans boucle. Voilà. Et je récupère mon plomb de tout à l'heure qui m'avait servi à sonder. Je le place normalement sur la ligne. Et voilà, je suis prêt à pêcher.